Fumer quand on chante ou chanter lorsque l'on est fumeur, qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences? On va en parler aujourd'hui. Voilà comment se comporte la voix avec la cigarette. Je vais t'expliquer tout ça. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi toutes les semaines 3 nouvelles vidéos avec des conseils, des astuces et des exercices pour t'aider à mieux chanter et à développer ta voix. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi une communauté de plus de 15 000 chanteuses et chanteurs. Alors, tout d'abord, je voudrais bien expliquer ma position par rapport à la cigarette en tant que coach vocal. Très honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas de jugement à apporter quand une personne fume. Voilà, je veux dire, chacun fait ce qu'il peut. Il y a des personnes qui mangent des bonbons, il y a des personnes qui fument, voilà, il y a des personnes qui boivent un petit verre de temps en temps et peut-être plus. Mais je veux dire, chacun fait comme il peut, chacun gère sa vie comme il le souhaite. Donc voilà, la décision de fumer, elle t'appartient et ce n'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de décider à ta place ce que tu dois faire. Maintenant, je sais que j'ai certains collègues professeurs de chant ou coach vocal qui refusent de travailler tout simplement avec des fumeurs et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme si quand tu veux par exemple perdre du poids, admettons que la journée tu fasses du sport et tu fais un régime, donc ça ce sont tes actions pour perdre du poids et c'est ce que tu ferais avec ton coach vocal pour améliorer ta voix. Et puis la nuit pendant que tu dors, imagine qu'il y ait quelqu'un qui te fasse manger en fait à ton insu plein de sucreries, plein de choses. Du coup, le matin quand tu vas te lever, c'est comme si tu n'avais rien fait parce que tu as fait attention la journée pour perdre du poids et en même temps la nuit tu as repris plein de calories. C'est la même image si tu veux que si tu construisais un mur. Donc la journée tu vas assembler tes briques, tu vas monter un petit peu ton mur et puis pendant la nuit y a quelqu'un qui vient démonter tes briques et toi le lendemain matin quand tu reviens pour construire ton mur, tu vois que ça n'a pas avancé. Donc voilà pourquoi si tu veux certains coachs refusent en fait de travailler avec des fumeurs parce que tout simplement on peut avoir l'impression d'aider la personne avec sa voix si tu veux, d'essayer de faire avancer sa technique vocale, mais malheureusement entre les cours en fumant la voix va se dégrader à nouveau et finalement on sera resté un peu au point mort, on n'aura pas avancé. Mais je vais t'expliquer aussi ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et avant, je voudrais vraiment te parler d'une idée reçue. Alors, il y a une idée reçue qui dit que pour bien chanter, pour avoir une voix rocailleuse, pour chanter du blues, du rock, il faut beaucoup fumer. J'ai entendu beaucoup de chanteurs et de chanteuses me dire ça, disant « Ah ouais, mais moi j'aimerais chanter du blues, mais bon, j'ai pas encore assez fumé dans ma vie, donc ma voix n'est pas encore assez pété entre guillemets. » Alors, je te rassure, on n'a absolument pas besoin de fumer à outrance pour pouvoir chanter du rock ou chanter du blues. Si tu as envie d'avoir une voix un peu rocailleuse, d'avoir une petite saturation dans ta voix, bien on peut tout à fait le faire avec des effets de voix et tu n'as pas besoin de te flinguer la voix pour ça. Maintenant, oui, c'est vrai, la cigarette en se déposant, si tu veux, un petit peu de goudron sur les cordes vocales va dégrader la vibration des cordes vocales et va altérer le son de ta voix. Et on l'entend chez des artistes qui ont énormément fumé, à la fin de leur carrière, même des fois bien avant, ils n'ont plus de voix tout simplement en fait, parce que leurs cordes vocales ne sont plus capables de vibrer suffisamment pour donner du son. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on peut faire par rapport à ça. Juste avant, si tu as des amis fumeurs, tu peux leur partager cette vidéo s'ils ont envie de chanter, de développer leur voix. Je pense que ça leur rendra service et ils t'en remercieront. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ta voix lorsque tu fumes? Il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que tu le sais, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ce que tu manges, ce que tu bois, tout ce que tu ingères en fait ne passera pas par tes cordes vocales. Et c'est tant mieux, la boisson que tu bois, les aliments que tu manges, ils vont aller dans la partie digestive de ton corps et pas dans la partie aérienne, pas dans la partie respiratoire. Maintenant, ce qui est volatile, comme la fumée de cigarette notamment, va passer à travers tes cordes vocales puisque en rejoignant les poumons, les cordes vocales se trouvant sur leur chemin, cette fumée va venir déposer en fait ces petites particules de goudron notamment au passage. Ce qui fait que en fait la première action finalement de la cigarette, c'est-à-dire que la fumée qui est chargée de particules va recouvrir en fait les cordes vocales d'une sorte de petite gangue qui va les rendre moins élastiques et qui va poser une sorte de revêtement.
Donc l'idée, si tu veux, de tes cordes vocales, c'est qu'elles soient bien lisses, de manière à ce que quand elles se touchent, on ait vraiment une surface de contact très propre et très bonne. Donc tu imagines bien que si tu déposes un petit peu de goudron sur ces cordes vocales, elles vont devenir un petit peu, le bord libre va devenir un petit peu granuleux, et du coup la surface de contact ne sera plus aussi bonne. C'est pour ça en fait que ça altère la voix, que ça donne un son différent, tout simplement parce que tes cordes vocales ne seront plus capables de venir se coller, s'accoler complètement, et on sera plus tout à fait étanche. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que ces particules qui vont se déposer, à la longue, elles vont vraiment rigidifier un peu tes cordes vocales. Tes cordes vocales seront beaucoup moins libres et elles vibreront tout simplement moins librement. Ce qui fait que là aussi, ça va altérer le son de ta voix, ça va le modifier parce qu'elles ne seront plus capables de vibrer autant, aussi facilement. Et du coup, tu vas vraiment perdre des aigus parce que pour les aigus, il faut que tes cordes vocales viennent s'accoler très rapidement à vraiment haute fréquence. Et donc, quand je te dis à haute fréquence, c'est plusieurs centaines de fois par seconde. Et donc, tu imagines bien que si tu as une gangue de goudron notamment, hein, qui vient rigidifier un petit peu tes cordes vocales, elles vont être un petit peu plus lentes à la vibration. Et c'est aussi pour ça que ça va te donner une voix beaucoup plus grave. Il n'y a qu'à voir la chanteuse Dani, par exemple, qui a une voix très très grave. Et voilà, Dani s'est jamais caché de beaucoup fumer. Donc, ça va vraiment modifier le son de ta voix par dépôt finalement des particules qui sont contenues dans la fumée. Alors, ces particules qui sont contenues dans la fumée, ça on ne peut pas y faire grand chose en fait. Hein. En fonction de ce que tu fumes, tu auras toujours des particules qui vont venir se déposer sur tes cordes vocales. Maintenant, il y a une deuxième action qui est liée à la cigarette, et celle-là on peut un petit peu la contrecarrer, c'est l'action de la chaleur. Puisqu'en fait, la fumée que tu vas aspirer lorsque tu fumes, elle est à haute température, elle est chaude, et au passage de tes cordes vocales, quand elle va aller dans tes poumons, elle va échauffer les cordes vocales. Ce qui fait que tes cordes vocales, elles vont monter un petit peu en température, elles vont se boursoufler entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles seront beaucoup plus irritables, tu vois. Si tu chantes tout de suite dans la foulée juste après avoir fumé, eh ben, tes cordes vocales vont s'irriter beaucoup plus facilement. Parce que comme je te l'expliquais avant, quand tu chantes, tes cordes vocales viennent en contact plusieurs centaines de fois par seconde. Et si tes cordes vocales sont un petit peu déjà irritées, imagine que tu as des ampoules par exemple sur tes mains. Si tu tapes dans tes mains, ça va te faire mal. Tes mains vont s'échauffer beaucoup plus vite. Donc, tes cordes vocales, si elles font ça à répétition, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une sorte de corne qui va se former, et ça va t'amener tout simplement des nodules au niveau des cordes vocales. Donc, c'est vraiment une altération là, des cordes vocales. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est si tu fumes, c'est attends au moins une vingtaine de minutes entre ta dernière cigarette et le moment où tu vas parler ou le moment où tu vas chanter. Ça permettra à tes cordes vocales de redescendre en température et d'être moins irritables quand tu vas chanter ou quand tu vas parler. Donc, évidemment, du coup, la petite clope sur scène entre deux morceaux, ça, je te le conseille vraiment pas parce que voilà, tu n'auras pas le temps d'attendre 20 minutes. Et c'est pareil si tu stretches dans ta loge ou sur le coin de la scène, essaye d'éviter d'enchaîner clope sur clope pour passer le stress, parce que là aussi, tu vas vraiment échauffer tes cordes vocales et tu vas avoir une double action. C'est-à-dire que le goudron qui se dépose et en plus tes cordes vocales très, très chauffées, très irritables. Alors, tout n'est pas noir hein, par rapport à la cigarette, parce que je veux dire, c'est pas parce que tu fumes aujourd'hui que ta voix s'altère et que c'est irrémédiable. Non, au contraire, si tu prends la décision de réduire ta consommation de tabac ou voire d'arrêter complètement, sache que tu vas pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire que il va y avoir une sorte de petit nettoyage de tes cordes vocales qui va s'opérer, et au bout d'un moment, tu vas finir par récupérer. Alors, il va falloir faire des exercices, un petit peu de rééducation entre guillemets de tes cordes vocales, il va falloir les faire fonctionner, mais sache que tu peux récupérer. Alors, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de l'ancienneté que tu as dans ta carrière de fumeur, mais voilà, on peut revenir en arrière. Alors, c'est sûr que si ça fait 50 ans que tu fumes, là tu vas pas avoir le temps de revenir en arrière, ça va être compliqué. Mais voilà, si tu t'es mis à fumer jeune, ça fait 5-6 ans, peut-être 10 ans, ne t'inquiète pas, tu peux t'arrêter et tu vas voir des bénéfices revenir assez rapidement, hein, au bout de 1, 2, voire 3 mois, tu vas déjà récupérer des choses.
En accompagnant cet arrêt du tabac d'exercice, tu vas aussi récupérer beaucoup plus de dextérité au niveau de ta voix. Alors, je connais plusieurs personnes qui se sont arrêtées de fumer quasiment du jour au lendemain. Maintenant, c'est surtout la source de motivation qui est importante. Je connais une personne, une chanteuse que j'accompagne et qui suis cette chaîne YouTube. Eh bien, elle a arrêté sur une simple promesse, c'est-à-dire qu'elle a fait cette promesse d'arrêter de fumer. C'est une sorte de pacte en fait qu'elle a signé avec elle-même. Et avec moi en fait, parce que c'est à moi qu'elle a fait cette promesse finalement, mais c'est surtout envers elle-même qu'elle a fait cette promesse. Et pour elle, voilà, faire une promesse, c'est quelque chose de très engageant, de très fort. Et depuis les dernières nouvelles, il ne semble pas qu'elle ait repris la cigarette. Donc, des fois, une simple promesse peut suffire en fait à combattre cette envie de fumer. Alors, tout dépend aussi du niveau d'addiction et d'accoutumance que tu as créé autour de la cigarette. Mais voilà, il y a des personnes qui ont arrêté vraiment sur une simple promesse. Je connais des personnes aussi qui ont arrêté après une maladie, c'est-à-dire que les personnes, elles ont fumé toute leur vie, ou en tout cas une bonne partie de leur vie, et puis tout d'un coup, elles attrapent une mauvaise bronchite ou une pneumonie, tu vois, quelque chose au niveau des poumons qui les secoue. Voilà, c'est en général le genre de maladie où pendant un mois, tu es quand même bien gêné, tu as du mal à respirer, t'as beaucoup de fatigue, tu peux pas trop faire d'efforts, et ça crée chez elles un déclic et elles se disent « oulala, là c'est juste une simple maladie, mais si je continue de fumer comme ça, peut-être que plus tard ça sera carrément un poumon en moins, voilà, quelque chose de plus grave ». Et le fait de tomber malade finalement est quelque chose de bénéfique pour elles puisque ça leur donne le déclic d'arrêter de fumer. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez motivant finalement parce qu'on ne les oblige pas à arrêter de fumer. C'est elles qui décident d'arrêter de fumer parce que tout d'un coup, elles sentent qu'il y a vraiment un risque important pour leur santé. Alors, je connais des femmes aussi qui arrêtent de fumer au moment de la grossesse parce que, entre guillemets, elles se disent « bon, ben moi, je peux me permettre de fumer, mais je ne veux pas imposer ça au fœtus que je porte, je ne veux pas imposer ça à mon enfant. » Et du coup, la grossesse peut être le bon moment aussi pour créer ce déclic et arrêter de fumer. Donc, profites-en, voilà, si tu attends un enfant et que tu es fumeuse, peut-être que c'est la bonne période pour arrêter et du coup commencer à nettoyer tes cordes vocales si tu aimes chanter. Alors bien sûr, il y a plein de techniques pour arrêter de fumer, il y en a plein qui marchent pas. En général, c'est celles qu'on utilise la plupart du temps, les patchs ont vraiment de très faibles résultats. Il y a plein d'autres techniques, il y a des personnes qui utilisent l'hypnose, il y a des personnes qui utilisent l'acupuncture par exemple. Alors après, c'est à toi, je dirais, de trouver la méthode qui te convient. Moi, je vais te proposer aujourd'hui une méthode qui est basée sur la respiration. Alors, tu vas voir, c'est hyper simple, c'est uniquement basé sur des techniques de respiration. Et pourquoi? Parce que les techniques de respiration dont je veux te parler là vont venir en fait équilibrer tes deux systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Il y a toujours un jeu, si tu veux, hormonal entre ton système sympathique et parasympathique. Il y a un système qui va plutôt détendre ton organisme et si tu es vraiment stressé par exemple, et tu as un système qui va au contraire activer ton organisme, et c'est ce qui se passe quand on a peur. Voilà, pour se sauver, pour faire face à la situation, on va booster un peu par exemple le rythme cardiaque ou la respiration. Et il existe des techniques de respiration qui permettent par effet induit en fait de réguler en fait ces productions hormonales. Et quand tu as envie de fumer, voilà, il y a des choses qui se déclenchent, il y a un processus de récompense qui se met en jeu, et les techniques de respiration permettent, en tout cas on obtient de bons résultats avec ça. Donc moi, forcément, en tant que chanteur, ces techniques de respiration, elles m'ont intéressé, c'est pour ça que je les ai étudiées. Mais alors moi, ce que je te propose en fait, c'est de te procurer un petit livre tout simple qui a été écrit par le docteur David Hoher. Et ce livre s'appelle « Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque ». La cohérence cardiaque, c'est quoi? Très rapidement, ce sont des techniques de respiration où on va réguler en fait ton rythme d'inspiration et d'expiration, et ça va te permettre de jouer justement sur ton système nerveux sympathique et parasympathique. Alors moi, j'ai rien à gagner en parlant de ce livre, hein, j'ai pas de royalty sur ce livre, mais pourquoi je t'en parle? Parce que ce livre, tu vas le trouver sur n'importe quel
quelle plateforme ou librairie pour moins de 10 euros. Donc ça te coûte vraiment rien. Ce livre va te donner en fait une technique, un processus, en fait les respirations à faire quand tu as envie de fumer. Et en plus, ce livre ne t'interdit pas de fumer. C'est-à-dire que la préconisation, c'est que si tu as envie de fumer, eh ben, tu prends une cigarette. Simplement, avant de la fumer, tu vas faire quelques respirations à un rythme particulier. Et puis après, si tu souhaites la fumer, eh bien, tu la fumes. Mais petit à petit, tu vas voir que tu vas pouvoir réduire le nombre de cigarettes que tu auras fumées tout au long de la journée. Et d'ailleurs, tu vas même les compter à la fin de la journée pour voir combien tu as fumé de cigarettes. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'ailleurs de partir tous les matins avec un paquet de cigarettes plein. Comme ça, ça te permettra de décompter en fait à la fin de la journée les cigarettes que tu auras consommées. Donc, comme je te le dis, je n'ai rien à y gagner, sauf peut-être aider tes cordes vocales et tes capacités respiratoires si ce livre t'aide. Tu le trouveras pour moins de 10 euros, donc ça te coûtera bien moins cher qu'une séance d'hypnotiseur ou d'acupuncture. Donc moi, ce que je te propose, c'est de tout simplement tester. Au pire, si ça ne fonctionne pas, tu auras perdu 10 euros et encore, tu pourras toujours revendre ce livre à quelqu'un d'autre qui serait intéressé par le sujet. Si jamais tu réussis à arrêter de fumer, c'est ce que je te souhaite, eh bien crée-toi une petite cagnotte, mets de côté l'argent que tu dépensais en fait dans l'achat de tes cigarettes pour pouvoir tout simplement te payer des cours de chant. Voilà, il y a peut-être un coach vocal vers chez toi. Si tu aimes chanter, je t'engage vraiment à travailler ta technique vocale et ça va te permettre de récupérer plus de confort au niveau de tes cordes vocales, du confort que tu as pu perdre à cause de la cigarette. Et en travaillant avec un bon coach vocal, en travaillant vraiment de la technique, ça va te permettre de récupérer ce que tu as perdu et ça sera vraiment valorisant pour toi. Donc, je t'incite vraiment à mettre de côté cet argent que tu ne dépenses plus dans la cigarette pour te payer des cours de chant tout simplement. Maintenant, moi, pour te remercier d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout, eh bien, je me propose de t'offrir des cours de chant pendant 30 jours. Donc, tu vas recevoir des vidéos chez toi à la maison dans ton adresse mail. Pour ça, il te suffit de laisser ton prénom et ton adresse mail en cliquant dans le lien ci-dessous ou dans la description qui va apparaître là sur le côté. Et j'aurai le plaisir de t'envoyer toutes les semaines pendant un mois ces vidéos. Alors, ce sont des vidéos d'exercices que j'ai tournées pour toi. Je suis avec mon piano, je t'explique les exercices, on les fait ensemble et il y a notamment des techniques de respiration qui vont t'aider à commencer à récupérer un petit peu au niveau de tes cordes vocales après l'arrêt de la cigarette. Je te souhaite bonne chance, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix et de tes cordes vocales. Ciao !